Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, ONG Génération Aïkon célèbre dans sa 8e édition les journées de la culture Aïkon. Notre ONG a été créée en 2015. C'est une ONG panafricaine qui fait dans la promotion des valeurs traditionnelles du peuple Aïkon. La culture Aïkon est millénaire depuis la région du Golfe Persique, matérialisée par les dynasties Amara et Zan, du Kobata francisé Égypte, matérialisé par les dynasties Ngor à Ntoum, en passant par les dynasties Afiri, Kara, Kobata et Ma, et les dynasties Asountoum, Morontoum et Angonontoum qui ont bâti l'empire d'Assoumou francisé Aksoum que nous retrouvons dans nos arbres généalogiques. Je voudrais de tout cœur remercier Monsieur Renan Deboma, remercier Monsieur Jean-Paul Ogunéi, remercier l'association Aïkon. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. L'individu ne vaut pas par ce qu'il a. L'individu vaut par ce qu'il est. Les Gabonais ne sont plus rien aujourd'hui. Qu'ils soient Aïkon, qu'ils soient Gitsir, qu'ils soient Omiéné, qu'ils soient Ipounou, parce que nous nous sommes vendus, parce que nous avons bradé ce que nous avons, parce que nous avons bradé ce que nous sommes. La problématique proposée par la génération Aïkon est une problématique essentielle. Et elle a été finement posée. Mariage homme-femme. La seule issue. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez dit la seule issue. Oh, j'ai bien aimé la formulation. On fait école comme dans le café. Mais pas moi, mon corps, mon corps, c'est ça. Amouna, on est maintenant. Kassouban matin. Yon bivotil na. Alou, Fabien Minga, on ne fait pas besoin. Je vais donner le mieux que je pourrai parce que je ne détiens pas toute la connaissance des Aïkon. Être Aïkon, c'est être descendant du grand ciel, c'est être fils de Dieu, c'est être la lumière. Un Aïkon, c'est celui qui reçoit et partage gratuitement. Un Aïkon, c'est celui-là même qui pense après la mort, qu'est-ce que je serai? Et lorsque tu prends conscience de ce que tu seras après la mort, tu vas bien exister dans l'existence. Tu vas bien collaborer avec des autres. Tu vas bien discuter avec des autres. Tu vas t'abstenir de faire des mauvaises choses, donc du mal. Nous sommes donc des Aïkon. Nous sommes des Aïkon parce que nous sommes nés d'un père et d'une mère. Nous sommes des Aïkon parce que nous sommes des Noirs africains. Nous sommes nés ici, c'est notre terre, Kaba. Nous sommes des Aïkon parce que nous sommes issus d'une vieille civilisation. Alors que les autres ont parlé des civilisations d'argile, les civilisations de calcaire, les civilisations de terre. Mais nous, nous avons une civilisation de fer et de roc. Nous avons Aïkon Mbomba. Nous sommes des Aïkon.